pour faire une découverte, une grande découverte, c'est souvent le pur hasard. La seule chose que vous devez faire, vous devez y aller. Si vous avez une idée, pas hésiter, est-ce que ça marche ou ça ne marche pas. Parce que de toute façon, vous ne pouvez pas le prédire, vous devez foncer. Et une fois sur 10, il y a quelque chose qui vient. Peut-être pas ça, ce que vous avez cherché, mais quelque chose d'autre. Moi, je suis une personne qui peut-être ose souvent trop un peu. Audacieux. Jürgen Chop, biochimiste basé à Lausanne, dirige un groupe de recherche spécialisé dans l'étude des mécanismes de la mort cellulaire et des réponses immunitaires innées. Ses travaux ont déjà permis la mise au point de nouvelles thérapies anticancéreuses, dont certaines sont en cours d'essais cliniques, ainsi que d'un traitement efficace contre la goutte. Chercheur singulier, Jürgen Chop parcourt aussi le monde, conférences, colloques internationaux. Il court aussi après le temps, un sésame précieux qui l'oblige à ne jamais oublier l'essentiel. Jürgen Chop est aussi un chercheur accessible qui s'efforce de ne jamais compliquer ce qui est déjà incroyablement complexe. Je pense que Jürgen a deux qualités, à mon avis. C'est que la première, il arrive à simplifier les problèmes. Et je pense que c'est une des grandes qualités de Jürgen, à comprendre ce qui est essentiel. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est à les réaliser. Et je suis toujours admiratif de la façon qu'il a de réaliser ce qu'il a comme idée et de démontrer en fait ses résultats. Moi, ce qui m'étonne, c'est qu'il est toujours aussi au courant, à la pointe des nouvelles techniques, des nouvelles technologies, même s'il n'est pas au labo. Il est toujours en train de nous parler des nouvelles choses qui sortent, etc. Et il est assez disponible. Oui, il est souvent invité. Ce qui est difficile, je pense, c'est qu'il est souvent invité en congrès, donc il est souvent absent, mais quand il est là, il est présent et si on veut discuter, on peut tout de suite frapper à sa porte et discuter des résultats qu'on a, etc. Donc ça, c'est bien parce qu'il est il est facile d'accès. Jürgen, c'est un des chercheurs que j'estime, c'est des chercheurs inspirés. Donc il a des idées qui ne sont pas forcément toujours logiques, mais lorsqu'il arrive à une idée qui semble un peu farfelue, il a certainement des bonnes raisons pour identifier le problématique ou le sujet de sa recherche. Et puis, il s'intéresse davantage dans l'application de la recherche à la science humaine et donc la médecine humaine. Et je pense que ça, c'est des choses que j'apprécie beaucoup. Donc, le côté intérêt humain et aussi le côté inspiré de sa recherche. Et puis, tout le monde alors reconnaît que une autre de ses qualités, c'est de pouvoir faire des ponts entre deux sujets différents. Une personne normale comme moi dira « ben ouais, c'est intéressant, mais disons, ça ne me concerne pas vraiment parce que c'est différent ». Lui, assez souvent, va avoir un lien à faire entre deux sujets qui apparemment au départ ne sont pas vraiment liés. Il est aussi assez déterminé. Je pense qu'une fois qu'il a une idée, il aime se lancer dedans et il n'abandonne pas avant d'avoir terminé. Quelque chose que je dois dire aussi, c'est qu'il est peut-être parfois un peu distrait aussi. Alors je pense que c'est parce qu'il pense à sa recherche et qu'il est parfois un peu déconcentré. Oui, il est un peu dans la lune, ça je pense que... Ouais, ça c'est sûr qu'il est un peu dans la lune. Parfois à la maison, on voit qu'il est en train de penser à autre chose ou probablement en train d'essayer de résoudre un de ses problèmes. Mais bon, je pense que c'est le cas de la majorité des chercheurs. Et aussi, il est très imaginatif. Il vient toujours avec des modèles. Il nous dessine des tas de modèles. Et il sait que ça peut être un peu exagéré, mais que c'est une bonne base pour discuter. Et puis, c'est intéressant parce que dès qu'on arrive avec un résultat qui montre que ce n'est pas du tout le modèle en question, hop, il y a un nouveau modèle qui surgit. Et ça, je pense que ça attire pas mal le groupe aussi dans la recherche. Les modèles. L'autre quotidien de Jürgen Chop qui fait dans son laboratoire autant de dessins que de recherches. Des modèles le plus souvent faux au début de chaque hypothèse. Mais Jürgen Chop n'a pas peur de l'erreur. C'est aussi avec elle qu'il construit sa réflexion et sa réussite. J'ai toujours des modèles et des idées comment ça peut fonctionner. Et vous pouvez demander au laboratoire, je dessine toujours des modèles. À 99% ne sont pas corrects. On est obligé de les modifier.
Mais quand même, une fois j'ai un modèle et au laboratoire, l'expérience montre que le modèle est correct, ça donne une satisfaction. Et c'est ça qui me pousse. Hein, aussi, et en biologie, on a tellement encore à chercher que c'est un champ libre. Pour beaucoup, les chercheurs sont des puits de science. Pourtant, Jürg Chöp et son équipe savent combien leur métier est sans fin. Chercher toujours et encore pour parfois décoder l'inconnu. L'incertitude ne quitte jamais ceux et celles qui cherchent pour faire avancer la connaissance et la médecine dans son ensemble. Jürg Chöp a eu l'opportunité de voir certains de ses travaux servir immédiatement ou presque. Au CHUV à Lausanne, le traitement de la goutte est aujourd'hui interdépendant de ses découvertes. Ce pont entre recherche et application clinique est une irremplaçable expérience pour ceux qui, ensemble, ont contribué à une avancée médicale majeure, aujourd'hui reconnue partout dans le monde. Il y a quelques années en arrière, Jürg a présenté un peu les derniers résultats de ses recherches de son labo, où il montrait que les cristaux d'acide urique, qui est donc la base de la goutte, est capable d'activer ce molécule qu'il s'intéresse beaucoup. Et pour moi, c'était tout de suite évident que là, donc, c'est quelque chose avec une forte potentielle application clinique. Nous avons un peu creusé les ménages, nous avons dit, alors, est-ce que ça vaut la peine d'essayer ou non? Et puis, Jürg, comme un peu l'inspiration, c'est, il faut essayer. Et après, donc, vous testez, et si ça marche, ça peut être intéressant. Et après quelques mois de discussion, nous avons même, je me suis lancé de monter une étude clinique où nous avons testé cette idée. J'ai fait un test et j'étais complètement bouleversé par les premiers résultats parce que les patients sont tout de suite mieux. Donc, c'est pas souvent en médecine qu'on voit que le résultat arrive positivement en 2 jours, 1 jour, avec une transformation radicale de l'état de santé du patient. Cette expérience unique rappelle que la recherche fondamentale n'est jamais déconnectée du monde qui nous entoure. Elle aura permis à Jürg Chöp de vivre des moments d'une rare intensité pour un chercheur, voir son travail soulager immédiatement ou presque des patients victimes de souffrances insupportables. Depuis plus de 30 ans, Jürg Chöp court après l'inconnu. Depuis toujours, il a cherché avec les moyens dont il disposait. Aujourd'hui, les techniques qui favorisent ses découvertes ont considérablement changé. Son esprit, comme sa motivation, sont eux intacts, comme peut-être la finalité de son engagement. Aujourd'hui, pas seulement dans ce métier, mais dans d'autres métiers aussi, on a la tendance de voir très gros. Hein, des projets qui coûtent des millions et millions, qui sont basés sur des machines qui coûtent très cher. À la fin de la journée, c'est toujours encore le petit travail au bench. Hein, vous avez la pipette, vous avez le tube, et vous comptez les cellules. Par contre, ça change des jours un peu. On est devenu beaucoup plus manager qu'avant. Parce que vous pouvez acheter beaucoup de choses que vous n'avez pas pu acheter il y a 10 ans. C'est toujours encore une compétition. On ne peut pas se permettre d'être deuxième. Hein. On doit être premier. Et ça, il faut faire avec tous les moyens qui sont à disposition. Manager, il sait aussi l'être pour son laboratoire d'une vingtaine de collaborateurs. Chez lui, Jürg Chöp est aussi chercheur. Son travail ne s'arrête jamais. Pourtant, il sait aussi déconnecter. C'est d'ailleurs un besoin. Sa vie personnelle est riche et intense. Parmi ses loisirs et ses points d'équilibre, sa famille, la petite balle jaune, mais aussi ses chiens, source de détente et parfois d'inspiration. Je fais du jogging chaque matin avec le chien Gronla que vous avez vu. Je me lève très fatigué le matin en rentrant. Je suis bien, j'ai des idées. Je dois avouer que les meilleures idées de recherche aussi, c'était pas au labo, c'était dans la forêt. Tout à coup, c'est venu. Donc ça, je pense que j'aurais une vie difficile sans ces chiens. Oui, c'est un leader. Et puis, je pense qu'il a aussi le sens, le sens de la recherche, le sens des affaires quelque part aussi. Il sait où sont les priorités, etc. Et je pense que ça contribue
au succès du groupe. Ouais.